Est-ce que tu es inquiet pour l'Olympique de Marseille? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marseille, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Marseille a perdu face à Monaco dans le choc. Et du coup, donc, est-ce que tu es inquiet? Parce qu'on a vu une équipe de Marseille qui a mené deux fois. Ils ont ouvert la marque, ensuite Marseille, ensuite Monaco est revenu au temps pour moi. Monaco revient à 1-1, Marseille met 2-1, Monaco revient à 2-2, et ensuite Monaco met 3-2. Moi, j'ai vu quand même des bonnes choses offensivement, mais défensivement, il y a du boulot. Il y a du boulot défensivement, et je pense que Gattuso doit vraiment trouver les clés. Après, moi, je ne veux pas tirer sur Gattuso maintenant parce que il a eu très peu de joueurs pour pouvoir mettre son équipe en place. Donc, je lui laisse encore un peu de temps. Et pour moi, il y a quand même des choses positives, notamment offensivement. J'ai vu de très, très bonnes choses. Mais défensivement, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique défensivement. Donc, laissons encore du temps à Gattuso avant de faire son procès. Même comme je suis sceptique globalement sur le fait qu'il va relever cette équipe de Marseille, mais ne faisons pas encore son procès. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!